Nous connaissons beaucoup de choses sur la prière, mais souvent nous ne prions pas. Nous ne prions pas. Voici le premier secret que j'ai appris avec Dieu en 26 ans de vie chrétienne. Pour maintenir la vie de prière, tu dois aimer la prière. Amen. Tu dois aimer la prière. Il est impossible de maintenir une vie de prière si tu dégoûtes la prière. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas prier. Ils évitent la prière. Si là on cause, ils sont très à l'aise. Mais si on dit maintenant on va prier, ils sont mal à l'aise, ils s'en vont. Ou bien ils commencent à dormir. Ou ils commencent à s'ennuyer. Ou tout d'un coup ils ont des démangeaisons. Tout d'un coup, il a des démangeaisons parce qu'on a dit il faut prier. Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu aimes la prière? Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te forcer à avoir une dimension que tu ne veux pas. C'est pourquoi la première chose que vous devez demander, vous qui voulez avoir une vie de prière constante, demandez à Dieu l'amour de la prière. Je connais des amoureux de la prière. Ah, pas possible. C'est-à-dire, ils cherchent tout le temps des occasions pour prier. Tout le temps, il cherche une occasion pour prier. Même si tu lui dis de bénir la nourriture, tu sens que sa manière de bénir la nourriture est différente des autres. Amen. Hein? Tu sens qu'il cherche tout le temps une occasion pour se tenir devant Dieu. Tu dois aimer la prière. Et voici, tu ne peux pas aimer la prière sans aimer le Dieu avec qui tu dialogues. Amen. Hein? Car prier, c'est dialoguer avec Dieu. Voici un autre secret. Si tu veux être un homme de prière, tu dois aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne sauras pas prier. Parce que prier touche le corps, l'âme aussi. Et au niveau de l'âme, il y a l'émotion. Même tes émotions doivent être touchées par ta spiritualité. Mon corps, ça genoux, lève les mains, ça c'est mon corps. Mon corps reste dans une chambre pendant des heures, ça c'est mon corps. Parce que dans le domaine de la prière, le corps, l'âme et l'esprit fonctionnent. Mon corps doit accepter de s'agenouiller, de rester dans une chambre, de rester dans un endroit, d'aller dans une forêt, de m'enfermer dans une chambre. Mon corps doit accepter de se tenir debout, de lever les mains. Ma bouche doit accepter de parler, ça c'est le corps. Mais mon âme aussi, doit être rempli d'amour pour Dieu. Lorsque tu pries, est-ce que tu ressens de l'amour? Les gens qui ressentent de l'amour quand ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup. Et ils ne sentent pas le temps passer. Amen. Ces derniers temps, des fois, vous me voyez, j'arrive 30 minutes après. C'est pas que c'est le retard, non? Quand je dois venir prêcher le mercredi, le vendredi, à partir de 12h, je suis dans mon bureau jusqu'à l'heure où je dois venir prêcher. Mais j'ai des fois du mal à m'arrêter de prier. C'est tellement bon, c'est tellement bien que tu dis non, ça va, je dois arrêter, je dois aller prêcher. Un peu 5 minutes, un peu encore un 10 minutes, encore un peu un 10 minutes, encore un peu un 10 minutes. Ah, il faut que j'aille encore un petit 5 minutes parce que les gens qui prient, ils savent que se déconnecter et se connecter, c'est difficile. Quand tu atteins un niveau là, quand tu sors pour revenir, c'est difficile. Alléluia. Est-ce que quand tu pries, tu ressens de l'amour? C'est pourquoi les gens qui aiment Dieu, lorsqu'ils prient, ils pleurent des fois ils rient. Des fois, tu peux même regarder son visage, tu sens qu'il est heureux. Alléluia. Est-ce que tu es heureux quand tu pries ou quand tu pries, tu sens qu'on te punit, une corvée? Alléluia. Ou tu vois un chrétien, on dit, prie, il trouve qu'on l'a puni. Punition, prière. C'est comme si punition, on va parler à papa. Alléluia. Pour avoir une vie de prière, tu dois aimer la prière et tu dois aimer le Dieu que tu pries. Et tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas une révélation de Dieu. Quel est le nom de ton Dieu? Jésus? Oui,
Mais quelle révélation tu as de Jésus? Amen. Quelle révélation personnelle tu as de Jésus? À la maison, j'ai un perroquet. Bien-aimé, le perroquet là m'a enseigné qu'il y a des chrétiens perroquets. Mon perroquet, il rit. Tu as déjà entendu un perroquet rire? Il rit. Mon perroquet parle lingala, il parle français. Mon perroquet, il imite même les sonneries des téléphones. Parce que pour lui, il n'y a pas de différence entre un téléphone, une sonnerie de téléphone, entre un homme qui parle. Mais il peut dire précisément ce que tu dis, mais il ne le comprend pas. Et il y a des chrétiens qui sont des perroquets. Quand il dit Jéhovah Jiré, c'est perroquet. Jéhovah Rapha, c'est perroquet. Alpha Omega, c'est perroquet. Il n'a aucune révélation personnelle de Dieu. Et quand on prie ici, on dit « Prions !» Il regarde à gauche, à droite. Ah, tout le monde fait comme ça. Lui aussi, comment ça fait? Alléluia. Ton voisin là, quand il prie, quand il fait comme ça, peut-être qu'il est dans son expérience avec Dieu. Un jour, en faisant ça, il a vécu des résultats. Mais toi, tu bouges la main, pourquoi? Alléluia. Ton voisin, quand on adore, il ferme les yeux, il ne parle pas. Toi aussi, tu commences à imiter. Mais toi, quand tu l'imites, tu dors. Amen. Mais lui, s'il ferme les yeux, il ne parle pas, il ne dort pas. Mais toi, ah, frère Nazaraba, présence mon robe, ça au prier. Moi, par exemple, pourquoi je prie comme ça? Lorsque j'étais allé dans les églises de réveil, tout le monde priait fort, s'agitait. Alors je le faisais comme tout le monde, parce que quand tu arrives dans un endroit, tu dois prier comme tout le monde. Mais quand je le faisais, je n'arrivais pas. Mais quand j'étais dans ma chambre, je priais calmement. Et quand je priais calmement, j'ai entré dans des profondeurs spirituelles. Et alors un jour, Dieu m'a dit, pourquoi tu ne pries pas en public comme tu pries à la maison? J'ai dit, non, on va dire que j'ai perdu la vie de prière, parce qu'en ces temps-là, on priait par rivalité, par compétition. Il faut que tu montres aux gens que toi, tu as le feu de la prière. La plupart des gens qui montrent aux autres qu'ils ont le feu de la prière à l'église ne sont pas des hommes de prière. L'homme de prière n'a pas de vantardise. Alléluia. Alors Dieu m'a dit d'arrêter et j'ai commencé à prier calmement même à l'église. Et mes amis commençaient à dire que j'avais perdu la vie de prière, mais j'avais plus de résultats. Je pouvais faire ces genres de prières-là pendant 6 heures sans me fatiguer et sans me lasser. Bien-aimé, ne prie pas comme ton voisin, prie selon ta révélation de Dieu. Amen. Hein? C'est pourquoi si toi quand tu pries, tu es à genoux, tu te sens bien, prie à genoux. Si toi quand tu pries, tu es prosterné, tu te sens bien, prie prosterné. Si quand tu pries, toi assis, tu te sens bien, prie assis. Oh non, tu es assis sur le trône, toi aussi comment tu es sur ton trône? Ça c'est congolais. Si alors j'ai des rhumatismes. Vous pensez que tout le monde a la santé de s'agenouiller? Vous pensez que tout le monde a la santé de lever les mains? C'est nous qui ajoutons des choses dans la vie chrétienne. Amen. Hein? Prie selon toi, pourvu que ça marche. Mais là, il te faut une révélation. Et pour avoir la révélation, il faut creuser. Tu vois, tu peux arriver dans un endroit, il y a la terre, mais sous la terre, il y a des diamants. Tant que tu ne prends pas une pelle pour creuser, tu ne sauras pas qu'il y a des diamants. Dieu aussi, il est ainsi. Si tu ne creuses pas, tu ne sauras pas qu'il y a des diamants, tu n'auras pas la révélation. C'est pourquoi quitter la vie chrétienne superficielle. Amen. Vous savez qu'est-ce que la vie superficielle? La vie chrétienne superficielle, c'est une vie chrétienne qui s'arrête aux quatre murs de l'église. C'est-à-dire que tu es spirituel ici, une fois qu'on dit Amen là-bas, tu vis comme un homme normal. C'est une vie chrétienne superficielle. Mais lorsque la vie que tu as à l'église te poursuit au travail, à l'université, partout où tu es, à la maison, alors là tu as une vie chrétienne profonde parce que tu n'es pas chrétien ici, mais tu es chrétien partout. Amen. Vous comprenez jusque-là? Une autre chose, pour avoir une vie de prière, il faut être discipliné. Discipliné dans quel domaine? Dans les programmes que tu fais à Dieu. Amen. Jamais tu ne pourras maintenir une vie de prière si tu n'as pas un programme. Impossible. Les gens qui prient quand ils sentent ou quand ils veulent n'ont pas une bonne vie de prière. Vous allez voir, Daniel avait une discipline le matin, à midi, le soir. Jésus, vous savez pourquoi est-ce que Jésus a été arrêté? Parce qu'il avait une vie de prière disciplinée au point où Judas savait qu'à telle heure Jésus se trouve dans le jardin. Amen. C'était dans sa discipline qu'on l'a attaqué pour qu'il puisse ressusciter. Quelle est ta discipline?
Un homme de prière, quand tu l'observes, tu sens dans sa vie une routine. Amen. Une routine. Une monotonie. Où on sait chez toi à la maison que lui, mercredi, il prie beaucoup. Lui, vendredi, il ne faut pas le déranger, c'est sa journée de prière. Lui, samedi, il ne faut pas le déranger, il s'enferme. Lui, le matin, samedi, il se réveille très tôt matin. Lui, à telle heure, où on sait. Si on ne sait pas, tu n'as pas de discipline et tu n'as pas de vie de prière. Il y a un bien-aimé, j'avais beaucoup aimé ce qu'on m'avait dit sur lui. On m'avait dit, mercredi, ça ne sert à rien de le téléphoner ni de le chercher. C'est sa journée de prière. Il s'enferme dans sa chambre du matin jusqu'au soir. Waouh! Et aujourd'hui, il a un puissant ministère en Angola, l'apôtre Hervé Bélessi. L'apôtre Hervé Bélessi était serviteur de Dieu au milieu de nous. Et j'entendais ça de lui. On me disait ça, lui-même ne savait pas. On me disait, Hervé, il ne faut pas le chercher mercredi. C'est sa journée de prière. Il est dans la chambre du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, il est en train de bouger l'Angola. Alléluia. As-tu une discipline? Si tu n'en as pas, aujourd'hui, tu dois l'avoir. Lorsque tu rentres à la maison, fais un programme de prière. Voici. Ne fais jamais un programme de prière extraordinaire. C'est-à-dire, matin, 2h à 8h, prière. Mais moi, je non, là, mon matin. Amen. Par semaine, jeûne 4 fois, je vais commencer à jeûner. Alléluia. Ne fais pas ça. Ne promets pas à Dieu ce que tu ne pourras pas accomplir. Au lieu de promettre à Dieu 3 heures du temps que tu ne sauras pas accomplir, promets même 30 minutes que tu sauras accomplir. Alléluia. Au lieu de promettre à Dieu 3 heures du temps que tu ne sauras pas accomplir, promets même 1 heure. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous n'avez plus jeûné avec, viens avec moi pendant une heure. Dieu ne te demande pas beaucoup, il te demande d'être fidèle. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne te demande pas de prier d'abord beaucoup. D'abord, commence à être fidèle même dans peu, et plus tu vas grandir spirituellement, tu fais beaucoup. Amen. Voilà. Par exemple, lorsque j'étais étudiant, j'allais à l'école, il fallait se réveiller à 4h, 3h. Tu dois prier, lire la Bible, parce que tu sais que si tu ne fais pas ça, tu vas aller à l'école jusqu'à 16h, 17h, tu rentres KO directement à l'église. Et je savais que ne pas prier seul à la maison et aller à l'université, et puis de l'université, aller directement à l'école, à l'église, et prier beaucoup à l'église, c'était bien. Mais je savais que tant que moi-même, j'étais incapable de me tenir devant Dieu, ce n'était pas ma vie de prière, c'était une vie de prière prêtée. Parce que la vie de prière prêtée par l'assemblée. Amen. Alors je devais, le matin, me réveiller un peu plus tôt, prier, lire ma Bible, parce que je sais que je n'aurai pas le temps pendant toute la journée. Parce qu'imagine que tu vas à l'université, après l'université, c'est l'église, après l'église des réunions, tu rentres KO, n'est-ce pas? Et tu vas prier un peu, et je disais, si je ne me discipline pas, pendant ces années à l'université, je vais perdre l'onction, je vais perdre ma foi. Alors je devais me discipliner, prier le matin. Amen. Maintenant, là c'est le programme d'un étudiant, mais une femme ménagère. Très tôt matin, son mari a besoin d'elle. Très tôt matin, ses enfants ont besoin d'elle. Elle ne va pas avoir le même programme qu'un étudiant. Elle, elle peut dire, après avoir pris soin de mon mari, pris soin de mes enfants, et ils sont partis à l'école, et mon mari est allé au travail, moi maintenant je prendrai le temps pour moi. Ça c'est pour une femme qui ne va pas au travail. Mais si une femme va au travail, elle doit maintenant savoir si son travail prend fin à 16h, elle vient à l'église, est-ce que la nuit sera priée? Elle doit prendre soin de son mari et de ses enfants. Elle doit apprendre à se réveiller avant son mari, avant ses enfants, pour avoir le temps pour elle et aller au travail. Sinon, tu perds la vie de prière. Ainsi, personne ne peut prendre un programme de prière et te l'imposer parce que nous n'avons pas les mêmes défis. Amen. Il y a des gens, quand tu causes avec eux, ils peuvent te complexer. Moi, je prie 5 heures du temps. Comme, tu ne peux pas me suivre. Amen. Tu ne peux pas me suivre. Alors, je te dis, depuis 12 heures, moi, j'étais en prière et tout. Mais toi, tu étais à l'université. Toi, tu étais au boulot. Amen. Hein? Tu ne vas pas faire comme moi. Parce que moi, si j'étais à l'université, au boulot, je n'allais pas prier de 12 heures jusqu'à... Amen. Hein?
Tu dois, selon toi, selon ton travail, selon tes études, tes responsabilités, trouver le moment, parce que Dieu donne toujours à l'homme le temps de le chercher. Toujours. Toujours. Des fois, certains, c'est la nuit. Qui ici ne trouve pas rapidement le sommeil? C'est dit que vous êtes appelé à prier la nuit. Ah oui, voici. Si tu es quelqu'un qui ne trouve pas rapidement le sommeil, maximise ton insomnie pour prier. Car si tu ne trouves pas facilement le sommeil et tu vas dormir, tu auras mal à la tête parce que tu vas forcer ta tête à dormir et pendant que tu dors, tu es en train de réfléchir et de penser. Au lieu d'aller réfléchir sur le lit, va prier. Alléluia. Mais il y a des gens qui préfèrent être sur leur lit depuis 22h jusqu'à 1h du matin en train de chercher le sommeil qui ne vient pas au lieu de prier. Mais prie. Et d'ailleurs, les insomniaques arrivent à prier après, arrivent à dormir après avoir prié. J'ai rencontré une femme à Bruxelles, elle m'a dit, pasteur, que Dieu te bénisse, j'avais un problème d'insomnie, je ne savais pas dormir, on m'a donné tes prédications, quand je t'écoutais, j'ai dormi. Et puis mon mari m'a dit, mais ce pasteur, tu l'écoutes pour dormir, ne peux-tu pas maintenant l'écouter pour te convertir? J'ai commencé à t'écouter, je me suis converti, que Dieu te bénisse. Alléluia. Matin est là, lycée. Oui, l'onction fait dormir. Mes enfants, quand je mets une prédication, ils dorment parce que l'onction donne la paix et le bonheur fait dormir. Oui? Ah, il y a des trucs qui me viennent, hein? Léonard Lubananga, hein? Amen. Voici. Des fois, quand tu pries, tout sommeil n'est pas démoniaque. Oui, oui. Il y a des gens qui chassent tous les sommeils, même les sommeils qui amènent les songes. Car les songes, on ne les voit qu'endormis. Des fois, quand tu pries, tu sens un sommeil venir sur toi. Des fois, ce n'est pas toujours Satan où tu es fatigué. Dieu veut te parler. Mais comme toi, tu es incapable de voir des visions comme ça au Banga, il doit t'endormir comme Adam afin de te donner Ève. Maintenant, si Dieu veut endormir Adam pour lui donner Ève, il résiste. Est-ce qu'il aura Ève? Des moments, tu dois accepter de dormir pour voir les choses futures. Et sachez que Jésus n'a pas été protégé par un homme qui voit des visions, mais c'était par un homme qui voit des songes, parce que tout ce que Joseph a vu, c'était en songe. Naolal, des fois alors, priez comme ça. Tu pries, et si tu sens un sommeil et tu sens qu'il est de Dieu, ne dis pas Amen. Va maintenant, tu dors. Comme ça, tu es sous l'onction. Tu vas voir, tu auras facilement des songes parce que tu dors dans la présence de Dieu. Ça va. Qui a dit? Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'on finit toujours la prière par Amen? On a le bien Amen et prière ressuscité. Oh! Quand Jésus a ressuscité Lazare, il avait dit Amen. Alléluia. Ne tombez pas dans la religiosité. Quand tu deviens religieux, tu vas perdre la vie de prière parce qu'elle va devenir monotone. Mais quand tu es spirituel, tu ne vas jamais te lasser parce que ce sera tout le temps des découvertes. Amen. Il faut aimer, dialoguer avec Dieu, aimer Dieu, il faut aimer la prière, il faut se discipliner et avoir un programme. Et un programme de jeûne, et un programme de veillée, et un programme de prière. Et un programme. Ne priez pas quand vous sentez, quand vous désirez, quand vous voulez. Priez parce que vous avez fixé à Dieu un rendez-vous. Ou pendant que tu fais quelque chose, tu dis non, 12 heures, allez, j'entre, alléluia. Aussi, lorsque tu as été incapable d'accomplir ton engagement et ton rendez-vous avec Dieu, ne tombe pas dans l'indiscipline, mais récupère le second jour. Parce que souvent, ce que les gens font, s'il a dit à Dieu, je veux commencer à me réveiller à telle heure pour prier, s'il n'arrive pas aujourd'hui, il se décourage. Non, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, mais aujourd'hui, aide-moi. Amen. Hein? N'abandonne pas un programme parce que hier tu étais indiscipliné. Répands-toi, relève-toi et continue. Même si tu dois te battre pendant 2 mois, bats-toi jusqu'à ce que tu vas respecter le programme. Parce que la discipline demande un prix, la détermination et la persévérance. Que Dieu te donne la persévérance, qu'il te donne la détermination, au nom de Jésus. Amen.